tout le monde et bienvenue au Festival Miss Fiction, la session de samedi. Donc, je suis Anthony Mémin, je vais vous présenter le conférencier d'aujourd'hui. Donc, on accueille aujourd'hui Frédéric Vinault. Bonjour. Et donc, Frédéric est psychologue clinicien et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Et il est responsable de formation, d'un diplôme universitaire et aussi d'un master. Aujourd'hui, Frédéric va nous parler d'un ouvrage, ou en tout cas, il va s'en appuyer fortement, et il va nous présenter une notion qui me semble assez intrigante, faire trembler le sol de l'existence. Donc, je laisse la parole à Frédéric et je vous retrouve à la fin pour les questions. Merci Anthony, merci. Écoutez, je vais déjà commencer en remerciant toute l'organisation du festival qui a maintenu son édition malgré la situation. Anthony, merci beaucoup pour l'invitation, d'autant plus que je dois dire que je suis touché d'être dans ce festival étant donné que j'ai moi-même eu une longue pratique de jeu de rôle pendant 10 ou 15 ans. Et je suis vraiment content de voir cette organisation comme ça qui articule l'art des auteurs, des scientifiques, le jeu de rôle au milieu de tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, c'est un vrai plaisir pour moi. Aujourd'hui, ce que je voudrais aborder, c'est une petite partie de mes recherches. Anthony disait que je co-dirige un master à l'Université de Nice qui porte notamment sur les médiations thérapeutiques par l'art, c'est-à-dire la façon dont on peut utiliser des pratiques artistiques pour créer des dispositifs de soins, des dispositifs thérapeutiques, et notamment dans le sens d'une psychologie clinique qui serait orientée par la psychanalyse. Et alors, une partie de mes recherches actuellement porte dans ce cadre-là, sur la façon dont l'expérience artistique, qu'elle soit une expérience de production ou bien une expérience de réception, donc sur la façon dont l'œuvre, au final, modifie notre expérience de l'espace, c'est-à-dire la façon dont nous habitons. Nous habitons le monde, nous habitons la relation aux autres, d'une façon un petit peu large, l'espace de la rencontre. Alors, une œuvre, lorsqu'elle fait trace, laisse une marque dans l'histoire du sujet, une marque temporelle. Mais elle peut aussi, et c'est un petit peu moins repéré, elle peut aussi impacter fortement notre expérience spatiale, notre façon de concevoir l'espace. Alors, évidemment, je vais situer ma conférence d'aujourd'hui avec l'expérience que nous avons tous partagée du confinement, une expérience spatiale particulière qui nous a tous concernés et pendant laquelle vous avez sûrement remarqué que l'appel à la lecture était régulièrement présent. On trouvait ça dans différents magazines, différents réseaux sociaux, où la lecture était appelée au secours, on pourrait dire, déconfiné, comme si finalement il en était attendu quelque chose. La lecture pouvait être une réponse à cette situation spatiale particulière, à ses effets psychologiques. Parfois, ça tournait même à une injonction un peu, la lecture comme hygiène mentale. Bon, alors, on voit qu'il y a des liens comme ça entre lecture et espace. Souvent, il y a toute une pensée de la lecture, qu'elle soit une pensée littéraire, une pensée sociologique, une pensée psychologique, qui présente d'ailleurs la lecture comme la création d'un lieu, d'un autre monde, d'un lieu fictionnel. Et là, on est en plein dans le thème du festival, un lieu fictionnel, mais qui serait à l'écart du monde réel. Une espèce de refuge, par exemple, c'est Julien Gracq qui parle de ça, ou un nid, Marielle Massé donne la métaphore du nid, un autre foyer,
Ça, c'est Jean-Marie Bess, un philosophe, qui parle de la lecture comme un autre foyer. Et souvent, il y a cette dimension un petit peu réconfortante, qui nous met à l'abri de quelque chose ou dans lequel on essaierait de s'évader. Je me souviens, quand j'étais en terminale, j'entendais la lecture comme évasion, la lecture comme évasion. Et il y avait quelque chose qui m'insatisfaisait très profondément là-dedans, mais je ne savais pas trop pourquoi. Cette dimension-là de la lecture comme cet ailleurs, souvent un petit peu réconfortant, c'est ce que Barthes, en 73, avait déjà repéré lorsqu'il parlait du texte de plaisir. Alors, je cite Barthes, le texte de plaisir, c'est celui qui contente, qui emplit, qui donne de l'euphorie, celui qui vient de la culture et qui ne rompt pas avec elle, et qui est lié à une pratique confortable de la lecture. Là, alors, on voit que la fiction, ici, est située comme un ailleurs, mais un ailleurs qui ne remet pas en cause les assises psychiques du sujet lecteur. Mais Barthes ne s'arrête pas là, puisque à ce texte de plaisir, il propose de distinguer un autre type de texte qui serait ce qu'il appelle le texte de jouissance. Et le texte de jouissance, il le définit ainsi, il dit « c'est celui qui met en état de perte, celui qui déconforte ». Et entre parenthèses, il dit « peut-être jusqu'à un certain ennui qui fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs, de ses souvenirs, et qui met en crise son rapport au langage ». Donc, bien sûr, Barthes parle d'un texte de plaisir, de texte de jouissance, c'est d'un rapport au texte, c'est pas le texte en lui-même qui est comme ça, c'est le rapport que le lecteur installe avec ce texte. Mais pour résumer, on pourrait dire en quelque sorte que dans le texte de plaisir, les lecteurs jouissent de la consistance de leur moi, c'est la formule de Barthes, jouir de la consistance du moi, tandis que dans le texte de jouissance, et c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement, les lecteurs recherchent la perte du moi. Et la psychanalyse est très sensible à cette distinction, c'est-à-dire d'un côté le moi, sa consistance identitaire, nous pourrions dire, et on va voir quelle relation avec l'espace, l'espace du moi, quel est-il. Donc d'un côté le moi et sa consistance, et puis de l'autre, son trouble, son vacillement, ce que, entre analystes, nous appelons le « je ». Alors je reviendrai là-dessus, J-E. Donc le « je », c'est ce qui vient troubler le « moi », dans sa prétention de maîtrise, ce que Freud avait dit dans une formule qui est célèbre, qui dit « le moi n'est pas maître en sa demeure ». Alors justement, si il n'est pas maître en sa demeure, qui est l'autre occupant? L'étranger, l'inconnu. Mais l'inconnu pourtant à ce point familier qu'il n'hésite pas à faire perdre au moi sa prétention de maîtrise sur la demeure. Alors, qui est en quelque sorte cet inconnu en nous qui est moins cause de fiction que de ce que je présenterai tout à l'heure comme étant peut-être une friction. Et donc, mon travail, ma conférence d'aujourd'hui va être orientée un peu par ces différentes distinctions. C'est-à-dire que je pose la question maintenant, la différence entre le moi et le jeu, entre la fiction et la friction. Et la question que je vais traiter, c'est comment le texte de jouissance, justement, comme événement, ce qui vient marquer la vie d'un lecteur, et d'une façon définitive, a des effets spatiaux, pour montrer justement que la lecture peut être autre chose aussi que la construction d'un ailleurs fictif dans lequel s'évader. Ça, effectivement, c'est quelque chose que nous partageons tous, mais la lecture, la littérature ne se limite pas à ça. J'ai été frappé hier, il y avait sur France Culture une émission consacrée, c'était La Grande Table, qui était consacrée à la science-fiction, et l'auteur qui était invité était souvent interrogé sur l'univers qu'il créait.
Et donc, on parlait de sa fiction, de son univers, c'était Borda. Et finalement, à aucun moment, on ne lui a parlé de son écriture à lui, c'est-à-dire de son style. Et donc, souvent, peut-être dans la science-fiction, il y a un appel du côté justement de la fiction. On est plus appelé par la fiction. Et peut-être parfois, le style de l'auteur est ce qui vient participer au fait qu'une œuvre est marquante, est un peu laissée dans l'ombre. Bon, alors voilà, c'est un peu de ça dont je vais parler maintenant. C'est-à-dire que si le texte de plaisir se signale... Ah ben j'ai perdu ma page. Voilà, ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bref, si le texte de plaisir se signale par la construction d'une fiction, le texte de jouissance, lui, vient un peu ruiner cette impression d'ailleurs et vient en quelque sorte faire trembler le sol de l'existence qui est le titre de ma conférence. Ce titre-là, je l'ai emprunté à Pierre Bergougnoux dans un texte sur lequel maintenant je vais m'appuyer. Juste avant d'y venir, peut-être, je signale aussi que ce travail-là, à partir de Pierre Bergougnoux, je le fais en relation avec une collègue qui est professeure en littérature à l'université de Tartu, en Estonie, Sarah Bédargoulet, que je salue au passage, et nous travaillons aussi avec d'autres collègues sur la question de l'événement de réception, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une réception d'une œuvre fait événement dans une ville, comment on peut penser ça. Et puis, par ailleurs aussi, la distinction entre fiction et friction est développée ici, à Nice plus particulièrement, avec mes collègues Lionel Rofast et Jean-Michel Vives, avec qui je travaille sur les médiations thérapeutiques par l'art. Et nous avons d'ailleurs développé cette proposition de distinction entre fiction et friction dans notre dernier ouvrage, qui est plus... centré sur la question du théâtre. C'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Arquet qui s'appelle « La médiation par le théâtre, Freud et Dionysos sur la scène thérapeutique ». Mais bon, voilà, j'en viens maintenant à Pierre Bergougnoux. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, c'est une figure majeure de la littérature contemporaine française, dont l'œuvre est en grande partie autobiographique, mais pas seulement. Ce qui me passionne chez lui, c'est son style. Et je vais essayer de vous en faire partager quelques éléments comme ça qui sans cesse stimulent ma lecture. Mais il y a un autre point chez Pierre Bergougnoux qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il ne cesse d'interroger dans ses écrits autobiographiques différentes formes d'aliénation, de détermination, parmi lesquelles les composantes géographiques sont particulièrement importantes. Elles tiennent un rôle très important. L'espace n'est pas un simple contenant pour lui. Bergougnoux s'attache à retracer, et assez précisément, les continuités, les relais qui vont de la terre, de la géologie, on pourrait dire, c'est-à-dire ses richesses, sa pauvreté, ses couleurs, jusqu'au psychisme. En tant que la géologie a des conséquences historiques, économiques, qui ont elles-mêmes des effets sociaux, générationnels, familiaux, et qui impactent donc les destins des habitants. L'œuvre de Bergougnoux tente régulièrement de cerner l'effort qui fut le sien, et je crois que ça en a été un énorme, l'effort qui fut le sien pour se séparer du destin que lui promettait la terre, sa géologie, l'histoire économique et le discours familial. Et donc, je vais m'appuyer plus particulièrement sur un récit très court d'un ouvrage qui s'appelle « Un peu de bleu dans le paysage », j'espère que vous le voyez mieux, qui a été édité chez Verdier en 2001. Et notamment, c'est un recueil de récits courts, et notamment dans un de ces textes qui s'appelle « La voix du bois ». C'est un récit très très court, 8 pages, qui est consacré à un souvenir d'enfance, celui de sa première lecture. Et c'est une lecture qui n'est pas sans lien avec le thème du festival, puisqu'il s'agit d'un conte pour enfants. Finalement, on rencontre souvent la lecture grâce au conte.
Alors, voilà comment le texte commence. Maintenant, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais suivre le texte et vous montrer comment ce petit texte de 8 pages nous permet de réfléchir sur l'impact spatial du lecteur, les différentes formes d'espace qu'un lecteur peut traverser pendant la rencontre avec un texte. Alors, voilà comment le texte commence. Ce sont les toutes premières lignes de La Voix du Bois. Un vrai livre affecte à quelques degrés ce que nous pensions et donc ce que nous sommes. Il change dans une certaine mesure le monde qui consiste en partie dans l'idée qu'on s'en fait, soit qu'il l'orne et la croisse, soit qu'il en consomme la ruine. Mais ce désastre, cette perte, si on les surmonte, peuvent être tournés à profit, se muer en richesse et en joie. Je ne sache pas de livre, lorsqu'il a compté, qui n'ait fait trembler le sol de l'existence, disloquer la vision pauvre, grossière, que je prenais avant qu'il ne l'ébranle, pour la réalité. Voilà, ça ce sont les premières lignes, et on voit ce dont il est question. Comment une lecture peut-elle ruiner l'idée que nous nous faisons du monde, faire trembler le sol de l'existence? Et où se situe ce sol? Tout le texte, La Voix du Bois, est donc à la fois un récit de souvenirs, il va parler de son souvenir de cette première lecture à l'âge de 6 ans, la mise en écriture de ce souvenir, et éventuellement, pour le lecteur, et je me considère là, à cette place-là, pour le lecteur, est-ce que le texte peut être une réplique au sens géologique de ce tremblement de terre? Bergugno parle d'un texte qui a fait trembler le sol de son existence, mais la question est donc, son texte, à lui, peut-il faire trembler le sol de l'existence de son lecteur? Vous voyez que c'est exactement la question du texte de jouissance dont parle Barthes. Un texte qui traite de la lecture implique forcément son lecteur. Mais jusqu'à quel point? Un texte peut-il faire vivre à son lecteur ce dont il est lui-même le souvenir écrit? Peut-il entremêler les espaces au point de ne plus limiter la fiction à un ailleurs dans lequel le lecteur s'évaderait? Voilà. Donc je vais donc vous proposer une lecture spatiale de ce texte, La Voix du Bois, et comme je le disais tout à l'heure, en 8 petites pages, réalité et fiction vont s'articuler d'une façon complètement différente. Il y a 3 types d'articulation pour arriver justement, in fine, jusqu'à ce tremblement du sol de l'existence. Ces 3 types de configurations, avec ma collègue Sarah Bébargoulet, nous les avons nommées par contiguïté, par battement et par extimité. Je vais développer justement la particularité de ces types d'espace, d'articulation entre l'espace réel et l'espace fictionnel. Et je vais commencer donc par cette articulation par contiguïté. Donc, juste après l'introduction que je viens de vous lire, le texte de Bergugno pose une première conception spatiale de cette articulation entre réalité et fiction. Je vous mets la citation ici. J'espère que vous la voyez suffisamment, qu'elle est suffisamment lisible. Lorsqu'on a contacté l'habitude de chercher son bien, non pas seulement auprès des choses tangibles et des êtres de chair, mais parmi les signes et les figures de papier qui les escortent et les prolongent, les exaltent et parfois aussi les effacent, on s'expose à vivre doublement et doublement par suite à pâtir. Nous avons tous tenu, tremblant, de ces ouvrages dont il importe peu qu'ils nous aient arrachés à nous-mêmes ou comblés en nous ouvrant à notre sens. Les précédents logiquement, il y a celui qui établit qu'il y a le monde et il y a les livres. Il y a le monde et il y a les livres. Voilà donc cette première conception qui pose la fiction comme un monde parallèle, où les lecteurs vont vivre autrement,
une séparation entre réalité et fiction qui apparaît un peu comme nette, tranchée, comme dans une ferme dichotomie. Cette conception est d'ailleurs soulignée dans la phrase, c'est moi qui ai fait les... qui est souligné, Bergoglio ne souligne pas dans ses textes évidemment, mais la conception dichotomique comme ça est soulignée dans ce petit extrait par une figure de style que on appelle l'anadiplose. Alors ça, c'est ma collègue Sarah, bien sûr, qui m'avait souligné cette, cet élément stylistique. L'anadiplose, c'est le moment où il écrit « On s'expose à vivre doublement et doublement par suite à pâtir ». C'est-à-dire cette figure-là de style qui consiste à reprendre le dernier mot d'un membre de phrase au début du membre de phrase suivant. Étymologiquement, en fait, l'anadiplose, c'est un redoublement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mot « doublement » qui est lui-même redoublé. Donc vous voyez déjà que les choses ne vont pas être aussi simplement tranchées. Il y a une dimension au-delà, je dirais, une dimension presque méta du doublement. En tout cas, dans ces premiers temps-là, les mondes fiction et réalité semblent séparés et l'espace fictionnel semble en contiguïté avec l'espace réel. Alors pourquoi j'utilise le mot de contiguïté ? C'est que d'une part, justement, dans l'extrait que vous avez sous les yeux, on voit bien que les figures de papier peuvent, peuvent escorter, prolonger les êtres de chair. En gros, elles sont côte à côte. Mais d'autre part, là, il y a un point important qui va apparaître dans l'écriture, dans la description, dans le texte, du lieu réel dans lequel a lieu cette lecture. Alors, l'espace réel, celui dans lequel le jeune Bergoglio, âgé de 6 ans, va faire cette première lecture, c'est-à-dire son école, tout simplement, est alors largement décrit dans le texte. Juste après l'extrait que vous avez sous les yeux. Nous sommes en 1955, à Brive, c'est l'automne. Après la guerre, une grande partie de l'école a été logée, a été déménagée et a été logée dans un hôtel du XVIe siècle, situé à l'autre bout du boulevard. J'indique tout ça parce que ça va avoir son importance. Le corps principal de l'hôtel du XVIe siècle est lui-même adjoint d'une annexe du XIXe siècle. Et c'est dans celle-ci, dans cette longue annexe, et même plus précisément à l'extrémité du bâtiment, près du boulevard, dit Bergoglio, c'est donc dans cette annexe-là, à l'extrémité de l'annexe, que va se tenir le cours de première année. Entre l'hôtel et l'annexe, il y a d'ailleurs une cour qui va avoir un rôle important, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc j'insiste sur cette présentation parce qu'on voit, ou plutôt on lit dans le texte, comment les différents lieux défilent. La première école, le boulevard, l'hôtel du XVIe siècle, la cour, l'annexe du XIXe siècle, qui est elle-même près du boulevard. Bref, on a comme ça un défilé, chacun un défilé d'espace, et chacun de ces espaces est en contiguïté avec l'autre. Et dans ce cadre de cette série, comme ça, métonymique, la fiction, le lieu fictionnel, pourrait très bien finalement s'ajouter par contiguïté, c'est-à-dire c'est un lieu de plus. On voit comme ça un trajet qui se signale, et la fiction est finalement un lieu de plus. Et c'est donc dans cette annexe-là qu'a lieu la première lecture pendant un cours d'arithmétique. C'est cette lecture qui à la fois introduit Bergoglio à la séparation dichotomique, il y a le monde et il y a les livres, et en même temps, c'est cette lecture qui va opérer comme un au-delà de la séparation. En tout cas, le texte permet de le faire sentir. Alors, de quoi s'agit-il dans cette lecture, c'est-à-dire dans le conte que le petit Bergoglio se met à lire, ou en tout cas à essayer d'épeler, à parcourir? Je vais vous faire un résumé fictif de ce conte. C'est donc maintenant l'histoire dans l'histoire. Un petit garçon quitte sa chemine pour aller dans la forêt. Il y découvre, guère effrayé, un gnome qui semble l'attendre.
Je cite Bergugnou, « Il y a le gnome à la barbe de lichen, sous son bonnet vermousse, et surtout à ses pieds, le trésor, les pièces d'or à profusion. Il invite le jeune visiteur à les prendre toutes, s'il veut. » Ici, Bergugnou ne se souvient plus si l'enfant hésite ou pas, mais toujours est-il que le garçon décide de remplir le sac qu'il avait avec lui et il repart en courant vers sa maison. Là, sa mère est courbée sur des travaux d'aiguille, elle est en train de coudre. Il entre, il renverse le sac sur la table et c'est un flot de feuilles mortes qui se répand. Bergugnou indique alors qu'il a oublié un petit épisode, c'est-à-dire l'explication, la parole de l'adulte. Toujours est-il que le petit héros est déjà reparti après avoir refoulé les feuilles dans le sac. C'est de nouveau la forêt. Et là, surprise, le gnome est toujours présent. Il n'a pas bougé. D'un faux air de candeur, il dit qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Il aimerait voir. L'enfant attrape le sac, le renverse à ses pieds et il s'en échappe un torrent d'or. Donc voilà le conte dans l'histoire. J'ai pris le temps de résumer parce que, à l'occasion de l'écriture de cette histoire dans l'histoire, va apparaître progressivement un changement d'articulation des espaces réels et fictifs. Déjà, dire « histoire dans l'histoire » indique bien autre chose, fait sentir autre chose qu'il y a le monde et il y a les livres. Alors, comment localiser ce « dans » l'histoire dans l'histoire? Quel est le lieu de ce « dans » Quel lieu ça implique? Quel espace ça implique? La séparation dichotomique entre réel et fiction, le caractère double qu'ils imposent au vécu des lecteurs, va petit à petit, très subtilement, se transformer sous l'effet de plusieurs mots qui sont communs aux deux univers, qui agissent en quelque sorte comme des points de contact. Ces points de contact sont lus dans un premier temps, ils ne sont pas remarqués comme tels. Il faut arriver à la fin du texte, en tout cas ça a été mon expérience, être bouleversé par la fin du texte, pour se remettre à relire et à relire encore, c'est un texte que je lis depuis des années en y trouvant toujours des choses, mais pour se mettre à découvrir finalement toute la finesse, la subtilité de ces points de contact entre les deux univers. C'est le lieu justement où la contiguïté, la séparation et cette zone comme ça de séparation se met en mouvement pour passer à un autre régime spatial qui est fait de circulation, d'écho, de résonance entre les deux mondes, qui va flouter justement progressivement la séparation. Cette mise en mouvement des mondes réels et fictionnels passe par des termes identiques qui se retrouvent dans les deux espaces. Alors par exemple, je m'arrête là sur un des exemples de points de contact entre les deux mondes, c'est les feuilles mortes, qui se trouve d'abord dans l'espace concret de la cour d'école. Je passe à un autre extrait ici même. Voilà. Dans la cour d'école, de gros platanes mangés de rouille abandonnent des brassées de feuilles cartonneuses sur le pavage de l'étroite cour, entre l'hôtel proprement dit et l'annexe dont on l'a flanqué. On a traîné les pieds dans la paperasse terne tombée des arbres. Donc on voit là cette dimension de feuilles tombées et elles apparaissent dans le conte aussi. Je cite maintenant le récit du conte. « Je ne me souviens plus si l'enfant hésite. Je sais en revanche qu'il emplit le sac qu'il avait avec lui, qu'il repart en courant malgré la charge, vers la mesure où sa mère est courbée sur les travaux d'aiguille. Il entre, reverse le sac sur la table, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est un flot de feuilles mortes qui se répand. » Donc les feuilles mortes de la cour renvoient aux feuilles mortes ramenées dans la forêt, et ce, on va voir que justement c'est ça qui va amener petit à petit vers la friction des deux espaces, et ce par le moyen finalement des feuillets du livre que le petit Bergugnou est en train de lire. Les feuilles se retrouvent à plusieurs niveaux, et en suivant cette piste de lecture, on s'aperçoit que de nombreux éléments signifiants, identiques, se retrouvent de part et d'autre des deux mondes, monde réel, monde fictif de la forêt. Mais je vais en donner quelques exemples si j'en ai le temps, mais avant cela, il y a un autre point à remarquer. Si les feuilles mortes
forme un point de contact entre le monde de la fiction et le monde réel, ce contact est tout de même immédiatement suivi de l'écriture d'une négation, d'une perte, d'une négativité. Par exemple, dans le texte sur les feuilles mortes, une fois qu'elles se sont répandues sur la table, voilà ce qui est écrit. Donc, il entre, renverse le sac sur la table, c'est un flot de feuilles mortes qui se répand. Et de suite après, j'ai décidément oublié l'épisode intercalaire, les explications qu'on prodigue aux enfants dans les lieux clos, voués à la couture ou au calcul, réel, paraît-il, je vais y venir, lorsqu'on émerge de la profondeur vague des bois, du temps étal où il baigne. Le petit héros est déjà reparti après avoir refoulé les feuilles dans son sac. Donc on a donc les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle et qui font point de contact, suivies immédiatement de l'oubli de l'épisode. J'ai oublié l'épisode intercalaire. Une perte qui est elle-même suivie d'un nouveau point de contact. Si vous lisez la phrase, j'ai oublié l'épisode intercalaire, les explications qu'on prodigue aux enfants, et là, nouveau point de contact dans les lieux clos voués à la couture ou au calcul. C'est-à-dire que là, tout à coup, le lieu de la couture, c'est évidemment la chemine, et le calcul, c'est l'école. Et donc, les deux sont rapprochés à la fois dans une dimension justement de point de contact, et ils sont dits tous les deux réels. Et là, ça devient intéressant parce que finalement, l'opposition initiale entre fiction et réalité commence vraiment à vaciller parce que les deux sont réels. Et ils sont opposés à autre chose. Si vous lisez, réel paraît-il, lorsqu'on émerge de la profondeur vague des bois. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus complexe et que petit à petit, on va devoir aller vers une autre configuration spatiale. Je continue un tout petit peu parce qu'une fois que le texte amène ce rapprochement comme ça entre les lieux voués à la couture et les lieux voués au calcul qui sont réels, tous les deux sont réels, et il s'oppose à autre chose. Là, j'ai oublié de le mettre dans l'extrait, mais la phrase suivante est « Le petit héros est déjà reparti après avoir refoulé les feuilles dans le sac. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que le refoulement, c'est le nom freudien de l'oubli. Et Bergugnou connaît très bien le texte freudien. Quand il utilise le mot « refoulé », on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas, comme ça, en arrière-fond, toute la dimension d'oubli et de perte que en quoi consiste le refoulement. Et donc, on s'aperçoit que petit à petit, non seulement il y a des points de contact, mais à chaque fois, il y a des pertes. Par exemple, les feuilles mortes sont suivies de l'oubli, contact, perte. Les lieux clos voués à la couture ou au calcul, contact, sont suivis du refoulement des feuilles dans le sac, perte. Et alors, je ne vais pas le développer, j'ai pas assez de temps, mais on peut lire comme ça toute une suite d'alternances entre point de contact et perte qui, petit à petit, vont créer finalement un battement. Voilà, et ça, c'est le deuxième type d'articulation entre deuxième type d'articulation spatiale, c'est ce battement, ce rythme. Battement, contact, perte, battement, présence, absence, ce rythme-là dans lequel les espaces fictifs et réels sont moins mis en mouvement par les éléments identiques, les points de contact, mais par le fait que ces points de contact sont également accompagnés d'éléments manquants partagés dans les deux. Pour donner une autre image, le batteur de jazz Aldo Romano, un jour, dans une des discussions qu'on avait pu avoir, m'avait dit que ce qui compte finalement dans le rythme, c'est autant le rebond de la baguette que le moment de la frappe, c'est-à-dire le moment du contact. Et c'est de ça dont il est question, en fait. C'est qu'un rythme, c'est à la fois un contact et c'est à la fois un rebond, un retrait. Donc, ce rythme-là, je vais laisser de côté les nombreux exemples
de ce rythme contact-perte. Ce rythme-là, alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il s'agit finalement de ce qu'on appelle le rythme de l'écrivain ? Quand on dit d'un écrivain qu'il a un rythme, est-ce que c'est ça ? Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est plutôt le rythme de la lecture elle-même. Il ne faut pas oublier que c'est un texte sur la lecture. Et c'est finalement le rythme de ce que c'est que lire. Lire, c'est être à la fois présent et absent. Alors, j'insiste sur ce battement parce qu'il semble rythmer non seulement la lecture, mais surtout accompagner, en quelque sorte, l'avancée des configurations spatiales. À chaque battement, contact, perte, nous avançons un peu plus vers la révélation, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, qui fait la force du texte, qui fait l'impact, qui fait l'événement du texte, en tout cas qu'il a été pour moi, bien sûr, révélation finale d'un troisième type de configuration spatiale. Rencontre du troisième type, on pourrait dire. Donc les deux premières étaient l'articulation par contiguïté, et puis après on voit ce battement qui se met à l'œuvre, qui chauffe, on pourrait dire, le lecteur, qui chauffe la lecture d'une façon incandescente, qui frictionne les deux espaces pour déboucher sur une autre spatialité, cette fois-ci renversante, qui s'explicite en fait à la toute fin du texte. Et je vais maintenant lire les derniers paragraphes, peut-être un petit peu longuement, je m'en excuse. Là c'est l'ensemble, c'est quelques exemples comme ça de battements. Je ne vais pas m'arrêter hein, là-dessus, je passe. Mais je vais lire les derniers paragraphes qui ont pour moi été renversants et qui ont fait que ce texte-là, petit à petit, je n'ai cessé de le relire et de comprendre en quoi cette découverte de la fin est lentement, très subtilement amenée par notamment les points de battement, les points de contact. Donc voilà le texte, la fin du texte. Une fois que le conte a été raconté, il y a plus de 40 ans que j'ai épelé cette page, et j'ignore toujours qui l'a écrite, de quel volume elle fut tirée. On retrouve la question de la perte. J'ai failli entreprendre des recherches, puis j'ai craint de ternir cette expérience de l'éloignement qui conserve, en dépit ou en raison de son éloignement, son éclat initiatique et sa puissance de révélation. Voilà pourquoi j'utilise le mot de révélation que je reprends à mon compte, mais dont Bergugnou parle pour lui. J'ai beaucoup lu depuis, mais jamais plus comme en ce matin d'un très vieil automne où j'ai accédé par la faveur d'un manuel scolaire à la forme entière de notre condition. Nous sommes doubles et divisés. Il y a le triste édifice où nous étions enfermés, octobre au carreau, le soin prolongé de l'étude, et puis au cœur de la situation, au sein d'un volume imprimé, la porte ouverte sur la forêt des possibles, l'or inépuisable des visions. Vous voyez là les points de contact qui se multiplient. Notre corps qui nous fait tributaire où que nous soyons, d'une heure furtive et d'un lieu exigu, notre mortalité, notre indépassable localité, est flanqué, comme le vieil hôtel Renaissance, d'une annexe immatérielle mais non point irréelle. Je reviendrai là-dessus. Tel petit discours que je devais lire une dizaine d'années plus tard, il cite Descartes, l'établit fermement. C'est par notre capacité de penser, d'imaginer, que nous sommes en partie au moins déliés de la servitude et des pensées et des peines consubstantielles à cette autre partie de nous-mêmes qui éprouve dès 6 ans l'amertume de la réclusion, l'impatience, le poids de la réalité. Et là, un moment important, j'aurais oublié cette lecture si je n'y avais découvert comme en abîme l'image de l'instant qu'elle a magnifié. La tristesse de la saison, de l'endroit, le calcul, l'ennui, je les ai reconnus dans la chaumière aux pauvres et fastidieux travaux. Et la course folle, la voix du bois, sa richesse surabondante, c'était précisément la page,
l'image dérobée, dorée, splendide, au creux de la grise matinée. Je ne connais ni l'auteur, ni le titre du texte dont j'ai parlé. Je ne souhaite pas les apprendre. Je fais confiance aux petits-enfants. Et voilà les dernières lignes du texte. Alors, outre qu'on retrouve une nouvelle fois, je l'ai mentionné un tout petit peu, ce battement contact-perte, notamment avec le mot annexe, hein, notre corps est flanqué comme le vieil hôtel d'une annexe, donc on retrouve ce point-là, et une annexe qui est dite immatérielle, mais non point irréelle. Alors ça, je trouve ça magnifique, cette citation-là, dans un festival consacré aux imaginaires, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Une annexe immatérielle, mais non point irréelle, ça pose plein de questions. Donc, outre cette insistance du battement, les dernières lignes agissent comme une boucle fulgurante. Lorsqu'il écrit qu'il a découvert comme en abîme, je le remets là, je vais même le surligner, voilà, comme en abîme, l'image de l'instant qu'elle a magnifié. Donc non seulement l'importance de cette lecture se révèle dépendre, certes, de son contenu, mais surtout de son interaction avec la situation même de lecture. Et la figure de la mise en abîme qui est convoquée a tout à coup un effet vertigineux, puisque l'abîme concerne précisément l'acte de lecture. Il a un effet d'inclusion des lecteurs du texte de Bergugno eux-mêmes. Pour reprendre l'exemple des feuilles mortes, il ne s'agit plus des feuilles de la cour ou des feuilles diverses qui sont versées sur la table en revenant de la forêt. Il ne s'agit pas seulement de ça, mais ce sont aussi les feuilles de tout livre. Celui que tient le jeune Bergugno, et puis celui que tient le lecteur même de Bergugno. Ce sont ces feuilles-là dont il est question aussi. Les feuilles mortes sont là, pour qui veut bien s'en saisir. L'écriture de Bergugno agit de telle sorte, et agit, je dis que ça a un effet, agit de telle sorte que l'expérience de l'éloignement, constituée par la rencontre avec le conte, s'élabore au cœur de la situation, au cœur d'un volume imprimé. Il ne s'agit plus d'un ailleurs. Il s'agit d'un éloignement interne, un espace vertigineux qui concerne potentiellement tout lecteur. Le lieu de la fiction n'est pas un ailleurs à construire dans lequel se réfugier, en tout cas pas seulement. Là, il entrelace dans un même mouvement, par le fait de l'écriture, ce qui est lu avec le fait même de lire. Et donc on ne s'échappe pas de la situation, en fait. On ne s'évade pas. Ce qui est lu et l'espace qui est décrit est conjoint, articulé, mêlé, entremêlé avec le fait même de lire et l'espace dans lequel se passe la lecture, la cour de l'école, etc. Autrement dit, les deux espaces ne sont plus du tout articulés de façon contiguë, de façon dichotomique, dedans, dehors, lointain, proche, réalité, fiction, ni seulement par des points de contact récurrents, mais selon une troisième logique, la logique de l'abîme, la logique du vertige, qui témoigne d'une intrication, d'un entremêlement beaucoup plus grand entre dedans et dehors. Une intrication qui se rapproche d'une forme de spatialisation particulière que Lacan avait appelée extimité, et que certains topologues ont rapproché de la bande de Moebius. Je pense que ça parlera à certains spectateurs ici. De quoi s'agit-il avec l'extimité? Dans ce néologisme, Lacan avait souhaité faire passer l'idée d'une torsion qui mettrait en continuité intérieur et extérieur. L'extime est certes l'extrême, mais à l'intérieur. C'est l'extrême de l'intime, son extériorité intime. Et là, vous voyez dans ces formules-là qu'on n'est plus du tout dans une séparation dedans-dehors, réalité-fiction. C'est bien autre chose qui est en jeu. Nous pourrions dire, je ne vais pas développer ça, mais qu'il s'agit de la poursuite topologique
de ce que Freud, dès 1919, avait repéré cliniquement à propos de ce qu'il appelait l'inquiétante étrangeté, qui est un texte important quand on s'intéresse justement au fantastique. L'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire la mise en continuité du familier et de l'étranger, de l'inconnu. Finalement, l'inconnu est au cœur même du familier. Ce qui implique justement une spatialité qui ne relève plus du tout d'une représentation géométrique, y compris fictionnelle, mais qui requiert un modèle topologique qui ne trace pas à l'avance les frontières entre familier et étranger, entre intérieur et extérieur, entre dedans et dehors. Le passage de l'un à l'autre s'effectue en continuité, dans une torsion justement moebienne. Autrement dit, Bergugno est en train de lire ce qu'il est lui-même en train de faire. Et pour le lecteur de Bergugno, ce texte-là peut avoir cet effet aussi. C'est une révélation vertigineuse. Lire ce qu'on est en train de faire. Donc, je reviens maintenant à mon point de départ sur la question du moi et du je, la différence entre la fiction et la friction, et j'ai bientôt terminé. Je reviens sur cette phrase que j'ai surlignée. J'aurais oublié cette lecture si je n'y avais découvert comme en abîme l'image de l'instant qu'elle a magnifié. C'est donc réalisé, ici, que ce que nous lisons ne nous emmène pas dans un ailleurs fictif, mais nous parle de ce que nous sommes non seulement en train de faire, qu'est-ce que lire, mais aussi de ce que nous sommes tout court. Je reviens sur un autre passage, ici, que je surligne à nouveau, nous sommes doubles et divisés. Mais il y a quand même une différence entre être double et être divisé. Et là, on revient à la question initiale, la question qui intéresse le psychanalyste. Moi qui croyais simplement m'évader dans une fiction, et là, ça serait être double, je fais là l'expérience d'une friction qui ruine mes représentations habituelles, mes représentations du monde et les représentations de mon moi. À la place du moi, qui n'est rien d'autre finalement qu'une fiction, surgit autre chose de plus troublant, l'autre occupant, dérangeant, surprenant, imprévisible, celui qui fait que le moi n'est pas maître en sa demeure. La psychanalyse a nommé cette instance le je, J-E. Et l'analyse nous apprend tous les jours à quel point ce qui est voulu par le moi n'est pas ce que le je désire. Moi n'est pas je. C'est cela, être divisé. Et ce n'est donc pas être double. Être double, ça serait j'ai un moi dans la réalité et j'ai un moi dans la fiction. Je me projette dans la fiction. Donc là, on est double, finalement. On retrouve le partage dichotomique. C'est autre chose dont il est question dans certaines lectures. Quand on dit que nous sommes divisés, c'est que s'il n'y a pas deux moi, il y a un moi et un je. Il y a un je à l'intérieur de moi qui m'échappe complètement. Le moi est cette identité faite de fiction que l'on croit connaître, dans laquelle nous nous reconnaissons, une fiction qui se délimite. Alors on parle souvent de la différence entre moi, non moi, entre moi et l'autre, etc., qui se délimite et qui aussi parfois se localise. Parfois pour le pire d'ailleurs. On est chez nous. Hein ? Ici, on est chez nous. On entend quelque chose de la dimension appropriative du moi et du nous. D'une certaine façon, le moi a une structure de confinement. Ou plutôt, le névrosé se reconnaît au fait qu'il se sent confiné dans son moi. Ça parlera peut-être à certains. Et pour faire référence finalement au titre du festival, Nice Fiction, j'imagine que peut-être vous jouez aussi sur l'équivoque, Nice, hein, Nice Fiction, Nice Fiction, le moi est une fiction plus ou moins nice, selon le rapport de confinement que nous entretenons avec lui. On peut se sentir étouffé dans son moi. C'est ça qui fait le propre de l'aide analytique. Mais à cet espace fictionnel du moi peut justement, parfois, soudainement, objecter un autre espace, l'espace frictionnel, vertigineux,
dans lequel les frontières imaginaires s'estompent, temporairement, heureusement, vacillent, pour découvrir que l'altérité est chez elle en moi. Et donc, que la séparation, la dichotomie, n'est pas la seule conception spatiale sur laquelle nous nous construisons. Le vertige, je pense que le vertige est un des moments comme ça, le vertige provoqué par l'art est un des moments où on pressent cette spatialisation particulière. Le vertige est une forme de déconfinement structural. Voilà pourquoi je disais que finalement il y a plusieurs sortes de déconfinement. On pouvait, face au confinement, on pouvait lire pour s'évader, ou on pouvait lire pour avoir le vertige. Et je pense que ce ne sont pas les mêmes expériences spatiales. Voilà donc de quoi faire trembler le sol de l'existence, le sol du moi. C'est le sol de l'existence du moi qui tremble un petit moment. Et pour finir, je reprendrai justement les premiers mots du texte, comme j'ai tout écrit, je vais les remettre, vous les avez là, sous les yeux, voilà. Donc, le vertige fait trembler le sol de l'existence du moi, mais ce désastre, cette perte, si on les surmonte, peuvent être tournés à profit, se muer en richesse et en joie. En joie, c'est-à-dire cette perte du moi peut se transformer en joie du jeu. Voilà donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en remerciant encore une fois toute l'organisation du festival et en faisant un salut très amical aux personnes qui sont là derrière leur écran, que je ne connais pas du tout, et également à mes collègues avec qui j'ai travaillé, Sarah Bédard-Goulet, Jean-Michel Duvest, Lionel Verpas. Je vous remercie. Merci Frédéric, c'est très intéressant cette complexité quand on est du point de vue de lecteur. On ne se pose pas toutes ces questions, enfin je ne sais pas, moi je ne me suis pas posé autant de questions. Non, non il vaut mieux pas se poser effectivement. c'est impressionnant, c'est justement un peu vertigineux même de voir tout ce qu'on peut en sortir. S'il y a des questions donc dans le chat, n'hésitez pas, on le fera remonter. Il y a des merci, évidemment. Moi, j'ai une question, du coup, parce qu'on a parlé de la lecture, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une relecture? Est-ce que, du coup, ces trois articulations, contiguïté, battement, rencontre, du troisième type, si j'ai bien compris, vont changer, vont s'interpréter différemment, vont nous affecter différemment? Dans la relecture? Ben oui. Ouais. Vous avez dit que vous avez relu plusieurs fois, par exemple, cette seconde. Voilà. Oui. Alors, est-ce que du coup, ça change à chaque fois ou pas? Est-ce que cette spatialité, l'autre spatialité, va évoluer au fil de la relecture? Eh bien, en fait, c'est extrêmement instable. Ça me fait penser à la bande dessinée. C'est pas grave, je laisse ça de côté. Je laisse ça de côté. Mais c'est extrêmement instable parce que ce texte-là, quand je l'ai lu la première fois, sa fin m'a vraiment troublé et j'étais incapable de savoir pourquoi. Donc je l'ai laissé de côté, j'y revenais régulièrement et jusqu'au moment où je comprenais que ce qui se jouait dans la fin était vraiment un appel, et c'était là où se logeait le vertige. Sauf que si l'idée est balancée comme ça, sans tout le travail de l'artiste, de l'écrivain, qui petit à petit, lentement, nous amène vers elle, l'idée en elle-même, en fait, si elle est balancée, n'est probablement pas à même de provoquer ce vertige. Et donc, en lisant le texte, je partais de ce vertige-là pour essayer de me dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans ce texte? Et plus je le relisais, plus je découvrais finalement ces différents agencements. Et encore là, tout récemment, pour aujourd'hui, j'ai relu
une nouvelle fois le texte, et il y a de nouveaux éléments qui m'apparaissaient, notamment sur des points de contact que j'avais pas repéré. Et pourtant, avec ma collègue Sarah, on l'a passé au peigne fin. Et finalement, il y a toujours quelque chose qui a échappé. Voilà. Et alors, il est possible que, au bout d'un moment, quand même, dans la relecture, c'est-à-dire dans la répétition, quelque chose de cette jouissance puisse peut-être, au bout d'un moment, s'estomper. Ça, c'est le propre, finalement, de la répétition, de, en quelque sorte, d'entretenir la jouissance et puis, au bout d'un moment, peut-être de l'user. Ceci dit, je crois que dans les grandes œuvres, et ce petit texte-là, pour l'instant, il n'a pas réussi à être complètement érasé dans les œuvres fortes. Je ne dis pas les grandes œuvres, mais en tout cas celles qui nous marquent. Voilà. Parce que chacun a ses propres œuvres, mais dans les œuvres qui nous marquent, il y a toujours quelque chose qui reste en réserve. Et qui reste en réserve, c'est-à-dire qui nous a échappé et qui peut surgir une autre fois sans que ça n'épuise complètement le texte. Et donc, dans la relecture, on entretient ce rapport-là, ce rapport au battement, ce rapport à ce qui échappe. J'ai insisté là-dessus, c'est-à-dire dans le battement, il y a à la fois des points identiques et il y a de la perte. Ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire que la lecture, c'est aussi un exercice qui nous confronte à la perte. On lit quelque chose et en même temps, on est en train de perdre quelque chose. Bon, ça, je peux pas développer ça, mais on peut le soutenir. En tout cas, la psychanalyse, la théorie analytique nous permet de soutenir ça. À la recherche de quoi sommes-nous quand nous lisons? Si nous sommes à la recherche de quelque chose, c'est que, a priori, quelque chose a été perdu. Voilà. Et donc, ce qui est perdu, parfois ressurgit, parfois continue à appeler silencieusement continue à motiver notre lecture. Et au passage, on prend comme ça un petit signifiant, quelque chose de, une petite bribe finalement de ce qui a été perdu, mais on ne retrouve jamais ce qui nous appelle dans un texte finalement, on ne le retrouve jamais intégralement. Mais des fois, effectivement, certains textes perdent de cet attrait-là et l'important, c'est de faire confiance aux textes, aux autres textes, pour sentir l'appel ailleurs, dans d'autres textes. Ok, super, merci. Alors, pour des raisons de timing, on va devoir s'arrêter là. Donc, je remercie encore Frédéric Vinault pour cette très belle présentation. Et si vous êtes intéressé par les références que Frédéric a mentionnées, ou les ouvrages les références de ses ouvrages aussi, vous pouvez retrouver une liste peut-être non exhaustive, j'imagine, de quelques ouvrages sur le profil quand vous allez dans l'onglet invité à Miss Fiction. Voilà, vous aurez les références précises. Donc merci encore à Frédéric, merci à vous qui nous avez écoutés et je vous souhaite une excellente continuité dans le festival Miss Fiction. Merci à vous. Virtuel cette année. Merci. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.